but never mind. Eh bien bonjour à tous, c'est Tonio Farming. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la Savoyarde et on va épandre du fumier. Alors pour épandre ce fumier, nous allons utiliser ce petit automoteur donc, qui est de la marque Vervette. Bon, je connaissais pas avant, voilà. Et on va le charger avec un petit Kubota, voilà, un petit peu, enfin c'est un Kubota. Et puis si au bout d'un moment on en a marre, on prendra le petit télescope qui est à côté. Voilà. Alors, je vais remettre un peu mon ATH. Hop, on va mettre ça comme ça. Et on va pouvoir commencer à charger les pandeurs. Alors, normalement, je crois que les godets font 1300 litres ou un truc comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors en même temps, je voulais vous présenter un petit mode plutôt sympa. Donc en fait, c'est un mode pour que plus les tours du moteur sont élevés, plus votre chargeur va se lever rapidement. Vous voyez, là, il se lève moyennement rapidement quand on est à 1300 tours. Et si je monte à 2000 tours, bon alors c'est mauvais pour la consommation, mais il se lève bien plus vite. Hop là, on va le lever à fond. Voilà, donc on voit notre godet. À mon avis, ça va être limite pour charger les pandeurs. J'ai pas essayé avant. Mais à mon avis, ça va être limite. Ouais, c'est vraiment limite. Alors le mode que je vous ai montré donc pour le chargeur nécessite le gearbox add-on pour pouvoir fonctionner correctement. Ouais, c'est vraiment limite au niveau de la hauteur. Alors les pandeurs fait 38 mètres cubes. Donc en gros il faudrait que je fasse 38 godets de tracteur pour pouvoir le charger en entier. We'll be right back.
Voilà, on a rempli un épandeur, alors ça a pris une vingtaine de minutes pour le remplir. C'est vrai que c'est plutôt long. Donc si on avait fait ça au tracteur, bah, ça aurait été beaucoup plus long et on n'aurait encore pas fini. Alors je pense qu'on va aller au champ 25 parce que c'est un grand champ. Et puis on a beaucoup fumé, même si bon, on fera pas la totalité du champ. Au moins on commencera, puis après bah, je le terminerai sûrement en off, comme ça. Voilà, donc on va faire un petit peu de vue intérieure avec l'épandeur. Du coup, vous aurez l'accéléré, pour vous ça fera 5-6 minutes de remplissage, mais moi ça m'a pris 20 minutes. Ce qui est plutôt long. Alors je crois que c'est avec le mode mort réalistique qui doit faire ça. Mais le volant des véhicules ne tourne pas à la même vitesse que mon volant. Ce qui est plutôt perturbant en soi. Et je crois que je pars à l'opposé de là où je dois aller. Non. Alors, on va se... Voilà, tout le monde. Alors en fait, je me suis aperçu que quand j'ai voulu ouvrir le PDA tout à l'heure, tout simplement éteint l'enregistrement de la vidéo. Du coup, bah, j'ai commencé à épandre le champ, donc vous verrez pas tout le moment où j'ai commencé à épandre parce que bah, ce n'est pas. Voilà, du coup, j'avais coupé, je viens de m'en apercevoir. Du coup, bah, on va terminer de vider l'épandeur, puis après, on s'arrêtera là pour cette vidéo, ou alors on fera un deuxième épandeur, je sais pas. Peut-être que je vais retourner le remplir en off. Et puis, que... si tu veux bien reculer, s'il te plaît. Voilà. Qu'on ira les pendre après. Là, je vais faire la fourrière ici, tiens, pendant que je suis par là. Et après, je remplis les pendeurs en off. Et on se retrouve ensuite bah, pour le vider. Voilà.
Hop là, voilà. Donc on a fait déjà ce côté-ci du champ. Compte. Ouais, faudra peut-être que je trouve un autre champ parce que là j'aurais quasi totalement épandu celui-là. Ça doit être le plus grand de la map. Ouais. Voilà, donc l'épandeur est vide. Je fais une petite ellipse, je vais le remplir, puis après on se retrouve pour le vider. Voilà, j'ai terminé de remplir mon petit épandeur. Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Alors, il y a du mal avec les marches arrière, ce truc. On continue en avant, c'est pas grave. Patine, mon machin là. Voilà, j'ai rempli le deuxième épandeur. Du coup, on va terminer ce champ-là. On n'en fera peut-être pas d'autres. Hein. Ce sera déjà pas mal avec ça, comme ça. Allez, là, je vais le prendre comme ça, ici. Puis après, je ferai mes petites fourrières. Et ce sera bien. Alors, j'ai mon clignotant à gauche. Voilà. Et ça sert un petit peu à rien. Bon, on va faire comme ça. On les prend à peu près. Il reste un petit oubli là-bas. C'est pas grave. Hein. C'est pas avec ça qu'on va perdre les trois quarts des rendements. Bah, au passage, je vais faire la fourrière là-bas, puis après, je vais revenir faire mes machins ici. Bon, pour faire de l'épandage, on n'est pas forcément obligé de faire des fourrières, mais moi j'en fais. Comme ça, hop, c'est pratique. Je me laisse la place pour manœuvrer. J'éteins mon épandeur en bout de truc, ça fait des machins propres. Bon, sauf là où je suis parti un peu dans tous les sens, et du coup, ça fait un peu des bibous, puis je les fais un peu grands aussi. Voilà, j'ai repris les un ou deux petits oublis que j'avais fait, puis j'ai terminé le champ, donc c'est un grand champ, celui-là ça va. Je sais pas comment il est là, je crois qu'il doit être semé. Semé en colza, voilà. Bon, il a été semé un peu n'importe comment, parce qu'on peut voir, il y a des endroits où. Enfin voilà, ça a été fait parce que les trucs sont pas super bien placés. Voilà, ça a été semé un petit peu n'importe comment. Il va s'arrêter. Et du coup, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!